Alors ça, c'est incroyable. L'arbre le plus vieux de la planète, l'arbre vivant, a 4600 ans. C'est un pin Mathusalem qui vit aux États-Unis. Alors, Jamy, comment on connaît l'âge d'un arbre? C'est simple, il suffit de compter les cernes, vous savez, ces cercles concentriques que l'on voit très bien dans la coupe d'un tronc. Regardez, un cerne blanc, c'est la pousse de printemps, un cerne brun, c'est la pousse d'automne et d'hiver. Et alors, on peut connaître les bonnes et les mauvaises années? Absolument. Plus un cerne est large, meilleure a été l'année, c'est-à-dire plus le tronc a grossi. Ah, le problème, quand même, c'est qu'il faut couper l'arbre pour avoir son âge. Oh, pas forcément. Les forestiers font ce qu'ils appellent des carottages. C'est un petit trou que l'on fait dans le tronc, on retire une carotte et on compte les cernes sur cette carotte. Il a quel âge, le tien, là? Oh, bah, si, il a quand même une centaine d'années. Hein. C'est un bébé. Et le mien, mon pain de Mathusalem, il a 4600 ans. Ridicule.